Salut YouTube! Y'a de l'orage chez moi, mais c'est pas grave, on est sur avec Lara. Si tu as eu le courage de regarder la vidéo 11, nous avons déverrouillé l'arc à poulie. D'ailleurs, nous allons le montrer, voilà, instantanément, merveilleux, l'arc à poulie, c'est trop beau. Masse dégâts et tout et tout. Elle se réchauffe et nous allons avancer dans cette partie. Ces ruines sont extraordinaires. Oh non! Anna avait raison à propos de la cité perdue. La source doit être cachée ici, quelque part. On dirait que ce mur a été construit à la va-vite. Je sens de l'air qui vient de l'autre côté. Je vais voir ce que... Peut-être tu vas te sortir. Bah lui, il est mort. Voilà. Vérifie quand même que de temps en temps, n'a pas planté. Alors, c'est arrangé quand même pour prendre... en furtivité les gros connards avec des casques. On va pas trop se gêner pour faire. Maintenant je pense que ça va être beaucoup plus la misère. Moi j'aimerais toujours rien à la radio. Non, tellement de roches et de glace entre eux et nous. Avec un peu de chance, ils comprendront que tous ces bruits de parasites, c'est nous qui essayons de communiquer. Bon. On est livré à nous-mêmes. Raison de plus pour trouver un moyen de sortir d'ici. C'est ça. Genre, prendre l'autre. Comment on lâche? On va aller en tuer un, hein, vous en faites pas. Furtif et les autres. Oh bah, ça alerte même pas les gardes. Je croyais qu'en rouge ça voulait dire attention, mes couilles sur ton front, c'est pas bien. Fire in the hole. Bon bah, les gars, bonne mort. Ok, c'est passé. Je ne sais pas comment, mais c'est passé. Oh oui, les outils de fabrication. Oh. Parfait. Parfait, parfait. Alors ça sera une toute première fois, toute petite vidéo, car je pense qu'il faut que je refasse encore quelques réglages XSplit et tout le bordel. Et donc pour éviter d'avoir trop de vidéos de qualité médiocre, je vais m'arrêter assez vite. Après ce magnifique monster kill. Ça. Ah, toujours l'histoire, je pense qu'il y en a par là. Voilà, de l'histoire. Camarade, il est impératif que vous répondiez à mes missives. Nous avons un besoin urgent de matériel et de renfort. Une révolte est en cours, et les prisonniers contrôlent désormais le site des fouilles et les structures avoisinantes. Ils s'en mettent plein les fouilles. J'ai ordonné l'exécution massive de prisonniers issus de la population native. S'ils ont ne serait-ce qu'un peu de bon sens, ces rebelles déposeront les armes et se rendront pour sauver leurs frères. Ah mais le bon sens, hein, parfois. C'est du canigou. Oh, on va se balader avec notre petit bidon d'essence, tranquille. Non, on va aller voir les outils de fabrication. Qu'est-ce que ça change ? Donc on retourne au feu, tranquillement. Voir ce que ça change. Ah, alors, voyons voir les armes, ce que ça dit. Ah, déjà, les piolets. Ah, bah voilà, bah oui, bah ça, on fait ça tout de suite. Ah, après, il faudra les outils de perfectionnement. Parfait, donc pour ça, c'est fait. Tout de suite, les arcs, d'habitude. Cadence de tir, temps de charge. Ça c'est quoi? Yeah. On va pas se gêner pour faire vitesse de tir.
Ouais, c'est pas mal aussi. On va rester sur l'arc. Hein. Les dégâts, c'est pour après. De toute façon, ça ne prend pas les mêmes pièces. Alors, on va pas se gêner. Voilà. Au fait, voilà, j'allais dire comment change-t-on de. Elle a toujours qu'une seule arme. Parfait, Lara, parfait. Par contre, compétence. On est très content, on a débloqué une nouvelle compétence. Qu'est-ce que c'est ça? Après une élimination furtive. Qu'est-ce que c'est que ça? Après avoir bandé vos blessures. Ouais. Ça, c'est sympa aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Réalisez un coup de grâce à l'arc à bout portant et augmentez vos chances de récupérer des flèches spéciales sur les ennemis. Ah oui, d'accord, c'est quand on a une arme, ça nous permet de faire un. Augmente la quantité de ressources de fabrication artisanale. Ça, j'avoue que. Allez, hop, on va investir là-dedans parce que j'ai l'impression que ça commence un petit peu à manquer. Et bien voilà, on a un petit peu progressé avec Lara. Et du coup, ça va être une vidéo extrêmement courte, elle va faire à peu près 5 minutes, même pas, je ne sais même plus si on avait appris ça. Oui, on avait appris ça. Donc elle va être très très courte, mais c'est pas grave, c'est, moi ça va me permettre d'essayer de faire des vidéos d'un peu de meilleure qualité. Parce que là vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de lagouille, mais dans l'ensemble ça a l'air correct. Alors j'hésite, est-ce que je continue, est-ce que je fais mes tests? Allez, on continue encore un peu. Voilà. J'essaie de regarder en parallèle ce que ça donne. Bon, messieurs. Oh, il y avait un bidon d'essence. Des munitions. Sûr. Les Russes. Plus aucun doute que notre réseau de communication a été saboté. Ah. Vous n'avez dû recevoir aucun de mes derniers messages. Explique qui plante. Oh, c'est beau ça. Je continuerai à les envoyer car c'est mon devoir. Les natifs nous ont attaqués sur plusieurs fronts, juste après la série d'exécutions de leurs frères, censés les mater. Qui est fait mental un petit peu et qui revient en fait. Ils sont plus nombreux que nous ne l'imaginions. Il est évident qu'ils viennent de derrière la montagne et qu'ils préparent soigneusement leur révolte depuis des années. Nous n'avons plus eau ni électricité et l'hiver approche. Ceux d'entre nous qui sont encore en vie ne vont pas tarder à partir. Nous disposons d'un train de marchandises et nous allons essayer d'emporter un maximum d'archives et d'artefacts. Bien, 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 Roger. Regardez comme c'est beau. Je peux utiliser ces autres câbles pour forcer l'ouverture. D'accord, très bien, Lara. Pas de soucis. Par là. Hihi. Wouah. Wouah. Lara, Luigi, tout ça. C'est quasiment le pareil au même. Ok, bon, ça facile. Tac. Oula, pardon. Oula, mal visé, tac. Boum, bah, crac. Ça, bah, les steaks. Heure. Alors. Heure, le chariot. Ah, merci le chariot. Ça me donne envie de détruire les statues. On peut? On peut aller en face sinon. Alors, me prenez pas pour un idiot. J'ai compris où vous vouliez en venir. On va couper la corde. On a remonté le chariot. Comme ça, ça va se péter. Ça va faire tomber. Le camion, et le camion va magnifiquement aller ouvrir la porte.
Enfin, le toit du camion, voilà. Facile. Non, sans rire. La bonne grosse journée de merde. Et puis ça continue. Ah mon dieu, ok. Ça veut dire qu'il faut passer par derrière, je suppose. Toujours passer par derrière, hein, quand le chemin de devant est... Oh, regardez-moi. Qu'elle est belle dans la lumière. Ah bah, moi qui voulais aller voir les statues. C'est parfait. Merci Lara pour l'éclairage. Son et lumière par Lara Croft. Ah, il y avait des champignons, c'est ça? Faut les ramasser. À fabriquer. C'est ce que j'allais dire. Ah, la place pour les champignons. C'est pas full. What? Prends même pas le temps de viser. Oh, je pensais qu'on l'avait eu. Ouais, ouais, on est blessé, ouais, ouais. Tout à fait, on est bien d'accord. Bon, vous m'avez vénère. Sors la calache. Oh, on vise mal, et alors? À deux doigts de nous buter quand même. Ah, les fumimi. On va se re-soigner. Cheater. Oh, on n'est pas mort. Par contre, ça va pas tarder. Je rappelle qu'en hard, on ne récupère pas sa vie. Lui, il rechargeait. Voilà, j'allais mourir. C'était évident. C'était évident. Combat pas préparé. Combat mouru. On va juste prendre ça avec nous. Ça nous a coûté cher de l'éliminer, lui, hein. Ils détruisent mon petit muret et les flammes. Balle. Balle, voilà, ça se passe mieux comme ça. Hop, on essaie de mieux viser. Ouais, moi aussi j'en ai. Ah oui, je confirme, je suis blessé. Non mais, vous me lâchez la grappe.
Et on va mourir. Et on va mourir encore. Je n'utilise, je ne bouge pas assez, je n'utilise pas assez les éléments. Le pire moment, le pire essai. Vous voyez comme quoi la vidéo elle aurait dû s'arrêter maintenant. Ça va péter. Ah c'est ça. Je tire mal. Voilà, comme ça au moins vous, vous me ferez moins chier. Jolie esquive. Putain, j'ai hésité entre me soigner ou les bourrer. J'ai choisi les bourrer. Je suis mort. Ah, le mode hard. Hein. Oh bon, on va mourir. Hein. Oh. Ah oh bah c'est ballot ça, le chargeur lui, voilà. Allez, un essai de plus. Ah c'est la, vraiment la bonne vidéo, n'est-ce pas? La vidéo où on meurt. Voilà. Et... j'ai l'impression qu'on a la bonne hauteur là. Ouais bah vos tirs de couverture ils font un peu beaucoup quand même hein. What? Non, je me guéris et vous ne m'aurez pas. Allumez-la. Youhou. Putain, il s'est pris une bassose dans la tête, lui. Eh ben, j'ai galéré. Bon, moi j'aime bien, hein, perso, jouer en hard, tout ça, j'ai pas les améliorations, je joue comme un gros caca, moi j'aime bien, mais bon. Voilà, les plantes, très bien les plantes. Très bien les plantes. Il y a encore des cadavres de gens. Monsieur, bonjour. Ok, on a fait le tour. Semblerait. Ah non, il y a encore des fagots de bois. Mais on est plein. Des munitions, mais on est plein. Et des monsieur morts. Mais...
et le monsieur mort. Je comprends mieux. Elle comprend mieux. Si je suis ces directions... Oh, les caches. Parfait. Alors, les caches de cache. Non, pas le cache-cache. Cache de thunes. Oh non! Intéressant cette petite image, je vais le mettre en fond d'écran. Lara qui se... Alors non, hein, disons que le jeu, merci, j'avais sauté. Voilà. Donc, voilà. Le jeu, voilà, bride, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais au moins, avec moi, vous découvrez les morts que vous n'avez jamais vus dans votre propre partie. Car oui, vous avez tout fait en easy, c'était facile. Voilà, avec moi, vous découvrez les morts. Une garde d'épée en or incrustée de pierres précieuses. Elle appartenait à un noble byzantin. Oh, la lame est brisée à la base. Est-ce que c'est arrivé pendant un combat? Waouh, grosse révélation. Donc encore une fois, XSplit est en PLS. Waouh, je suis 4 en grec. C'est parfait. Vous en rêviez, Lara l'a fait. 4 en grec. On a vu le piège, hein, merveilleux. Hop. C'est super. Instinct de survie, tout ça. Lara a amélioré son instinct. La thune aussi. Et champipi toujours. Ah non, c'est pas tout à fait la bonne arme. Oui, je me disais aussi. À celui qui trouvera ce message, je serai bientôt mort et toute trace de ce lieu disparaîtra avec moi. Notre fuite était vouée à l'échec depuis le début. Nous sommes montés dans le train et nous nous sommes préparés au long voyage. Mais nous avons découvert qu'après quelques kilomètres, les rails que nous avions construits sur tant de cadavres s'arrêtaient purement et simplement. Depuis des mois, les natifs ont démonté ces rails, isolant cet endroit en prévision de leur attaque. Et, tout comme leurs précieuses ruines, je serai bientôt enseveli sous la neige. Et oublié de tous. Eh ouais, mon gars! T'es fait niquer! Par les natifs américains. J'ai fait le plein. J'ai fait le plein, d'accord. Merci le jeu. Ah, mais on est de retour. Comment vous savez que je suis là? Non mais sans deck. Comment il savait que j'étais là? Putain, mais arrêtez 30 secondes de me harceler! Ah, il est là-haut l'autre! On lui retire le casque et on lui retire la vie. Facile, non?
On n'aurait pas pu s'éviter tous ces détours merveilleux, magnifiques, si il nous avait directement mis les flèches là. Enfin, les flèches. L'échelle. Bien sûr que non, ça aurait été trop simple. Ah, on fait le plein, hein. Et on va retourner au feu pour sauvegarder. Et voir si on n'a pas des améliorations à la con. Et surtout pour faire notre petite pause, voir si le record est un peu meilleur. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et on n'a toujours pas fini Baba Yaga, hein. Soyons bien clairs. Baba Yaga, on l'a mis de côté pour l'instant. Alors, en armes, parfait, qu'est-ce qu'il nous dit? L'arc, bien évidemment l'arc. Pour l'arc. On n'a plus rien pour le reste, mais ce n'est pas un souci. On n'a pas de compétences, et bah c'est parfait. Et bah, ciao YouTube, XSplit vient encore de planter. C'est la caméra carrément. Oui, ah, c'est merveilleux la caméra. La caméra. Rebonjour, re-revoir. Et bah voilà, c'est sur ça que ça va se terminer YouTube. À plus tard, au truc, les vidéos commencent à être d'une qualité mais déplorable. Je sais pas si c'est le jeu ou ma poisse légendaire qui fait ça. Et sur ce, salut YouTube, à l'épisode d'après ou pas, en fait, en fonction de comment ça se passe. Allez, ciao!